Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on continue Resident Evil 3. Et je viens de le faire avec un accent mi-français, mi-anglais. On va aller remettre ce fichu courant cette fois. Tiens, il y avait une note. Alors, un crochet sera fourni. Donc, un seul crochet. Hein. Ok. Ils sont obligés de crocheter leur propre C. Ah, je suis dans la merde. Mon estomac. Ok, y a pas besoin que y a pas que la plante verte. Ah oh, mais c'est dégueulasse. C'est répugnant quoi. Oh mais merde quoi. Mi alien, mi hentai. Sans déconner. Oh putain. C'est un truc qui me fait flipper. Alors on va prendre une plante verte normale. Et on va prendre quand même un mélange au cas où. Et je suis passé à côté d'une sacoche tout ce temps. Eric, c'était un boulet. Je sais. Non mais c'était dégueulasse quoi. Oh. Ah, immonde. Je vais pas faire d'allusion, mais... Ça, chez moi, ça s'appelle un trou de cul. Ah, oh, c'est immonde. Il y a un truc qui va en sortir. Non, ça va. Bon d'accord, là je l'avoue, je flippe. je suis pas rassuré du tout. Ah, ça se tue d'un coup. Ah d'accord. Ah, ça c'est cool par contre. Par où je dois aller? Moi c'est ça qui me gêne, c'est par où je dois aller. Je vais suivre les trucs un par un, doucement. Ambiance anxiogène. Ça doit être ça. Ah d'accord, faut maintenir. Ah. C'est bon maintenant, on lâche. Mmh.
Elles viennent à l'infini, ok. Oh non. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Il y a que je déteste. Ah. Non, 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 non. Descends, descends, descends. Oui. Bon. Ça peut ouvrir les portes. Ah, c'est immonde. Bon, d'accord. Mérite d'essayer, hein. Note de Chan. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'avais bien vu que quelque chose tournait pas rond ces derniers jours. Ces insectes bizarres qui font leur nid, cette odeur métallique qui se dégage des grilles d'aération. Mais je m'attendais pas à ce qu'un tel merdier se produise en une. Faut que j'aille voir si ma mère va bien. Mais le patron indique que je vais abaisser tous les disjoncteurs avant de partir. Mais chier. J'ai intérêt à me manier si je veux sortir d'ici. La vache! J'ai tellement mal au bide que j'arrive à peine à bouger. Au dernier disjoncteur, un énorme insecte de mer m'est tombé dessus et m'a enfoncé un énorme tube dans la gorge. C'était pas un tube, mec. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à m'enfuir sans me vomir dessus. J'ai trop mal, j'ai la sensation d'avoir quelque chose qui bouge en moi. J'essaie de résister. J'arrive pas à croire que j'ai pas gerbé. Putain, j'ai mal, c'est comme si mon ventre allait se déchirer. Je crois que c'est la fin, je t'aime, maman. Ah, c'est... Ah, c'est... Sincèrement, ça me file pas la gerbe, mais c'est presque. C'est presque ça. Je... Ça me... Ah! Merde! Wow! C'est quoi cette animation de merde quand ils sont loin? Oh, punaise! Des munitions dans le vent pour rien. Mais il est où le dernier disjoncteur? Il est là. Merde. Non. Ah. Ok, et en plus, ils peuvent me facilement me buter. Par où je passe, par où je passe. Ok, il y en a ras-le-bol.
Y a plus qu'à activer l'alimentation principale. Ouais, y a plus qu'à. Et voilà. Je le sens pas. Du tout. Et surtout, je le sens pas, en fait, c'est en sortant. Carlos, c'est Jill. Ça y est, j'ai rétabli le courant. Au travail. Prochaine étape, le système de contrôle du trafic. Ça devrait être dans les bureaux de la compagnie de métro. Ouais, je crois savoir quel bâtiment c'est. Ah ouais? Ça fait plaisir de voir que t'as toujours une longueur d'avance, partenaire. On n'est pas partenaire. La façon dont elle lui, on n'est pas partenaire. Bon, je sais où c'est. Punaise! C'est une blague? Cours! Je le savais. Oh le. Carlos! Ce monstre est encore vivant! Il est à Metros! Reviens à la station! Merde! Pas avant d'avoir remis le système en route! Mais... Je l'avais esquivé! Cette punition divine, quoi. Par contre, l'esquive, elle a chié. Oh mon dieu. Pour le coup. Cavale. Allez, ma fille. Oh merde. Mais j'esquive, arrêtez de me foutre. C'est pas pour autant que c'est bon, punaise quoi. Salle de contrôle, qu'est-ce que je fais? Bien, maintenant faut que tu entres un itinéraire. D'accord, une seconde. Alors déjà. Hein? Cartouche de fusil à pompe, parfait. Ok, où est-ce qu'on va? Le train est arrêté à Redstone Street. On doit aller à la station Fox Park. Tu peux programmer ça? Eh, je suis super flic. C'est comme si c'était fait. Impossible d'établir l'itinéraire. Attends. Veuillez réessayer. Alors c'est F.O. Ah d'accord. Donc est-ce qu'il y a open? Je peux aller par FA02. FA2. RA3. FO01. Le SA... Ah d'accord, non, c'est moi qui me plante là. Donc FA2, RA3 c'est au-dessus. Voilà.
faut 01, c'est bon. Et là, c'est SA. Itinéraire valide, confirmé. Carlos, yes. C'est moi. J'ai fini d'entrer l'itinéraire du métro. Jill, t'es génial. Et coriace en plus de ça. Reviens à la station. On va s'assurer que le métro est prêt à partir. Je vais faire demi-tour et repasser devant cette espèce de cinglé qui va me buter. C'est quoi cette horreur? Ok. C'était quoi cette merde? Non! Bouge, 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 bouge! C'est pas par là? Pas à l'arrêter. Bon, par contre, là, sauvegarde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la poudre noire. Je vais prendre. J'ai un spray de premier secours, je le prends. Voilà, je suis désolé, mais là, j'ai besoin de munitions. Oh, je le sens pas du tout. Il faudrait une bombe atomique pour tuer ce machin. Bravo, super flic. Tu m'impressionnes. On peut partir ? Ouais, presque. Il nous faut 30 à 40 minutes pour finir la maintenance. Nikolai, du nouveau ? Ces saloperies sont partout dans la ville. Aucune chance de sortir si on les affronte. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle nous aide à faire redémarrer le métro. C'est pas le moment de s'encombrer d'un poulet. On peut pas se fier à elle. Elle est incapable de tirer quand il le faut. Eh, vas-y, Molo. Je t'aurais prévenu. T'as survécu au grand machin, toi? Je suis désolé. Tout le monde est un peu à cran. Oh, putain. C'est moi qui cherche. Je vais faire diversion. Hé, attends! Reviens, Jill! Non! Allez, viens, espèce d'enfoiré! Ouf, punaise! Ouais, mais il passe pas les portes, lui. Je fais là. Allez, viens, espèce d'enfoiré! C'est tard ce que tu veux! Oh punaise!
Trop tard. J'y crois pas. J'y crois pas. Allez, allez, allez. Et si j'ai ce machin au cul tout du long, moi je vais pas. Je vais pas être serein. Hein. Et c'est le niveau dans les égouts. Carlos, tu me reçois? Ben. Carlos! Il faut que je trouve une autre issue. Tu m'étonnes. Alors, oh! Ok, plante rouge. Alors déjà, on va stocker. On dépose ça, on dépose ça. J'ai des munitions en quantité, donc ça c'est bon. On va combiner ça, ça. On va l'utiliser direct. Des munitions, yay. Yay. Voilà, c'est bon. Moyennement rassuré ici. Sans rien. C'était quoi ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'était pas un petit chien. Oh bordel. J'ai pas de quoi. La porte est pas alimentée. Alors, introduisant de personnes autorisées dans les égouts, verrou électronique. Il faut une batterie spéciale distribuée à tous les employés. Ok, donc faut que je trouve un employé. Mort de préférence. Mais s'il l'est pas, ben il le sera assez vite. Ouais, non. Je vais devoir faire tout le tour, je suppose. Oh, ah. Merde. J'ai qu'à brûler mes fringues. Alors attendez. C'est quoi ça? Sacoche, ok. Il y a un put de verrou. Mais... ici c'est verrouillé. Heureusement qu'il n'y a pas un temps limite avant que le bestiau ne rende les boules, parce que... ah, il y a bon. Des alligators ici dessous. Oh merde. Ok, on s'en fout. Oh la vache. C'était quoi ces merdes? Niveau santé, je suis ok, j'ai reçu un petit coup. Ils sont à l'entrée, hein, les salauds. Oh ouais.
Ah ouais. Ah. Ah ça, ça me parle. Un lance-grenade. Le truc que j'utilise jamais d'habitude. Alors. Quelques modifications sur cette arme pour qu'elle soit compatible avec de nombreux types de munitions. Enfin... Alors, grenade explosive, incendiaire, acide, mine. Impossible à fabriquer. Attendez, pas efficace contre les gamins, inutile d'en acheter. Ouais, je comprends pas tout là. Mon inventaire est plein. Alors, les grenades standards, je vais les jarter. Voilà. Est-ce que j'ai toujours du soin sur moi? Non. Ça, c'est un truc qui me gêne. Donc, on va quand même prendre un spray de premier secours. Il n'y a pas d'explosif tout court ici. Alors, une note. Ah, les gamins ont été sortis de la cuve pour la première fois. Leurs mouvements sont lents, leur potentiel de combat est faible. Injection de plusieurs hormones et médicaments. L'un des sujets a montré des résultats positifs, avec une élévation sensible du potentiel de combat. Le spécimen est désormais capable de se déplacer rapidement et d'avaler des proies en entier. Umbrella a officiellement mis un terme aux recherches sur les gammas. Nous sommes parvenus à faire sortir du labo quelques spécimens au potentiel particulièrement élevé avant qu'ils ne soient détruits. Le docteur Logan Carlyle est plus que jamais déterminé à parfaire la série gamma. Deux semaines se sont écoulées depuis notre arrivée dans les égouts. La hausse des températures a entraîné une baisse de la qualité de l'eau. Mais malgré tout, les spécimens se portent bien. Les gamins ont rapidement mémorisé la configuration des égouts et en deux jours, ils ont exploré toutes les galeries souterraines de Raccoon City. Ils sont habitués à notre présence et ne nous attaquent pas. Mais nous nous sommes munis d'armes puissantes au cas où ils deviendraient incontrôlables. Nous avons eu de la chance d'obtenir cet endroit en soudoyant le chef des égouts. Mais avec la croissance continue des gamins, nous commençons à être à l'étroit. Nous devrions envisager d'autres options. Un employé du traitement des eaux usées s'est introduit dans le labo, mais les gamins l'ont immédiatement éliminé. Ça prouve que leur viabilité sur le terrain. Je vais contacter la branche européenne demain. Peut-être que ça les intéressera. C'est honteux. C'est franchement honteux ce qu'ils ont fait. Par contre, je vais aller par où, moi, du coup? Je suppose que je vais revenir sur mes pas. Alors attendez, parce que là, moi je suis pas rassuré. Voilà, j'ai plus de grenades. Bon, une grenade incendiaire, ça les tue. C'est bon. C'est bon à savoir. Oh merde! Oh oh! Oh la vache, mais ils font mal en plus! Oh merde, j'y crois pas.
Il y a pas moyen de combiner les... Oh bah si, voilà. Merci quand même. Poudre supérieure, je sais rien en faire. Merde. Plante verte, je sais pas l'utiliser. Poudre noire. Elle enchaîne vite. Voilà, ce qui fait que là j'ai de la place. Alors, une lettre d'amour. Ok. C'est chelou, mais bon. De toute façon. Auto pour faire un monde. Alors, Donc ici je suis au labo, il y a de la poudre, il y a de la poudre. Voilà. Mais maintenant que j'ai la batterie, je peux aller au reste. Et le gros tas qui est dans le chemin, je vais le défoncer. Je l'en croise. C'est au blaireau. Voilà. Bon, par contre, j'ai plus qu'une seule grenade incendiaire. C'est un peu compliqué ça. Vous n'êtes pas en train de me dire qu'il me faut une batterie à chaque fois. Voilà. Ah d'accord. Ouais d'accord, je vois comment c'est pensé. J'ai plus de grenades par contre. Donc les prochains que je croise, c'est la merde. Alors. Il y a le raccourci par ici. Voilà. Promenons-nous dans les égouts. Allez. D'explosifs. Ah, il me faut du B maintenant. On va faire 3 grenades. La poudre noire, toujours bon à prendre. Y'a que ça ici. Ouais, ça va. Alors c'est quand même totalement con de pouvoir prendre la batterie alors que la porte est ouverte. Mécanique de gameplay, certes, mais bon. Ça reste con.
Je suis désolé. Carlos, tu m'entends maintenant ? Jill, tu m'as foutu la trouille. Tout va bien ? Ouais, ça va. Je les mets. Parfait. Le métro est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu. Je sais pas si Nicolas est d'accord d'attendre en fait. Oh sa mère. What the... Mais je t'ai... Punaise, je t'ai esquivé. Casse-toi. Tu sais que ça l'arrête pas, espèce de... Espèce de cruche. Des armes ? Ah, super, je peux sauvegarder et compagnie ici. Parfait. Alors. Grenade explosive, x3, c'est bon. Sur modérée de santé, ça me va. Déposer. Poudre noire. Chargé. Andale. On reprend ça. On va essayer de retourner voir Carlos avant de se quitter. Allez, monte! T'arrêtes pas pour regarder! Putain, je m'arrête pas, hein. Oh la vache! C'est pas du jeu, le machin il se prend pour Spider-Man! Plutôt pour Venom. Ah. Allez. Oh la vache. C'est la tour infernale. Ah, ça brûle les pieds, ça brûle les pieds. Non, ah. non. Allez. Retard de la démolition. Générateur placé sur le toit. Ok. Donc en fait, je vais devoir utiliser le générateur pour réussir à lui coller des trucs sur la tronche. On va prendre tout ce qu'on a. Grenade. Je les prends. Spray. Je prends. Sauvegarde. Ça sent le combat de merde. Ok, amène-toi. Je tire sur son réservoir. Je
tu vas te bouffer. Oh! Il est pas con. Il pleut du feu, vous êtes sérieux? Ah merde! Oh! Y a pas un truc quelque part pour... déjà. Oui. Allez, on va claquer le Joker, si je puis dire. Wow. One shot. Non. Merde. J'ai merdé. Oh, vache. Non, j'ai continué en normal. Je serais tenté de mettre en facile là, mais... Ouh. Ok, pas le choix. Voilà. Grenade. Non. Descends. On va réessayer. Il faudrait peut-être que je garde le générateur électrique. Jusqu'au bout.
Voilà. J'ai claqué toutes les grenades et j'en ai rien à cirer. Merde à toi. C'était pas de la merde. Bon, toi. On te remet là. Voilà, maintenant, allez à un point de sauvegarde. Rejoucher. Carlos, c'est Jill. Tu me reçois? Quoique. 5 sur 5. Ça va? Ouais. Cette fois, il est mort. Nickel. Tant mieux. Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir d'abat? T'aurais pu te faire tuer. Commence pas. J'ai pas eu d'autre choix. Tu sais. Mais merci. Le métro est prêt à partir. Dépêche-toi. Y'a rien là-dedans? Non. Allez, il me faut juste un point de sauvegarde et puis c'est bon. Cette vidéo aussi aura duré sûrement un certain temps. J'ai dû claquer toutes les grenades pour réussir à le mettre KO. Et il va revenir, hein. Faut pas rêver. Alors, oh, il y avait des munitions, tiens. Oh bordel! C'est le commissariat? Ah d'accord! Ouais, donc effectivement ça se passe plus ou moins en même temps. Ah, je peux pas. Alors. Ouais, donc je peux aller que par là. Attendez un peu. C'est bien un cul-de-sac. Et explosif. Ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai de la place. Explosif B, explosif A. Canon semi-automatique. Attendez. C'est pourquoi ça? Combiné. Voilà. Chargé. On fait bien le plein. Bouge pas! Merde, Jill! Kendo, t'as rien? J'ai rien. C'est vite dit. Désolé, je voulais pas te faire peur. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Sans blague. Écoute, on évacue les survivants par le métro. Tu viens? Le métro? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utile, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que le moment est mal choisi. Écoute, t'en fais pas pour moi. Je vais m'arranger autrement. D'accord? Y'a intérêt. T'es le meilleur armurier qui soit. Oh non. Pas de risque inutile, d'accord? Le risque, c'est ton métier, hein? Sois prudente, Jill. Ok, donc ça, en fait, ça se passe avant
Avant que... Avant RE2. Un peu de choses près. Ah, quelques secondes près. Ok, alors... Du coup ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va stocker ça. Il n'y a rien d'autre dans la pièce? Plante verte, bien sûr. Que je prends. Par ici, il n'y a rien. Ok. Clé de la porte grillagée. Voilà. Et on va sauvegarder et s'arrêter ici, cette fois. Pouf! Oui, voilà, c'est bon. Voilà, eh ben, nom de Dieu! On peut dire qu'il nous les brise menus, le Némésis. Et je suppose qu'il va revenir, hein, c'est pas possible, ils vont pas le laisser en plan comme ça. Ça m'a demandé beaucoup de munitions, mais j'y suis arrivé. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!